marche à pareille distance. Bon appétit. Je ne sais pas si vous voyez, mais la fourchette, elle n'est pas vraiment pour vous. Alors, 3 de 9. Je vous fais mon petit repas, parce que alors je n'aurai pas le temps. Je vais rentrer chez moi, je vais encore courir. Peut-être pas avoir le temps de faire la sieste. C'est pas mieux. Bon, c'est pas grave. Normalement, je vais demander à vous faire chauffer. C'est trop froid. Mais là, j'ai pas trop froid. Bon, mais tant pis. Alors, sinon, quoi de neuf? Eh bien, tout va bien. Il fait beau. Là, je vais voir une amie après. Je connais quelqu'un dans l'ordinateur qui va venir tout à l'heure. Donc j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Voilà, sinon, bon, mon père est sorti de l'hôpital. L'hôpital hier, donc il est rentré hier. Alors, il m'a dit qu'il a été à la pharmacie prendre les médicaments hier qu'on lui a prescrit, mais il ne s'est pas remboursé par la sécurité sociale, il me dit. Et il en a eu pour 47 euros. Donc il va avoir à écrire à sa mutuelle ou je ne sais pas quoi, parce qu'il me dit que c'est pas normal, pourquoi c'est pas remboursé. Donc moi, comme je n'en sais rien, il y a plusieurs, sur les médicaments, il y a des vignettes de couleurs différentes. Donc je ne sais pas pourquoi. Voilà, l'hôpital, lui, on prescrit les médicaments et du coup, il a fallu qu'il paye la pharmacie. Voilà, je commence à en mettre partout.
Alors non, je n'ai pas emmené Mars avec moi, c'est pas possible. Il aurait trop peur. Bon, mais du coup, j'aurais pu me faire réchauffer là. Je pensais que je n'aurais pas le temps, et finalement, c'est... J'ai oublié ma brosse à dents, bien sûr. J'ai pris ma brosse à dents. Voilà, aujourd'hui, c'est mon petit blabla du samedi. Je vais préparer les décorations de Pâques, parce que j'ai plein de trucs pour Pâques, que je vais prendre en photo, que je vais mettre sur Facebook, parce qu'il y a un groupe de décoration de Noël. Et on adore, tout le monde dans le groupe met plein de photos de toutes les décorations qu'ils ont fait dedans, à l'extérieur. Donc là, en ce moment, c'est tout ce qui est Pâques. Voilà, donc moi, je vais faire les miennes. Je ferai une vidéo aussi, une petite vidéo. Parce que dans le groupe, on accepte des vidéos. C'est sympa d'ailleurs. Et dans ce groupe là, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de jalousie, c'est à dire que il n'y a pas de, il n'y a pas de remontrance, parce que par exemple c'est pour Noël. Des gens avaient acheté plein de cadeaux à leurs enfants, ils ont fait des folies et tout. Mais voilà, quoi, nous on a adoré, quoi, je veux dire, on a adoré. Et on ne regarde pas s'il y en a qui ont fait des petits cadeaux, des gros cadeaux, des petits sapins, des grands sapins. On adore. On adore tout. Et donc il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien, quoi, vraiment. Ça va de la toute petite décoration à l'énorme décoration. Et on adore. On adore parce que on n'est pas critiqué. Déjà, il n'y a aucune critique de fait. Je pense qu'on a tous l'âme d'un enfant. Parce que pour être dans un groupe de décoration de Noël, il faut avoir l'âme d'un enfant de toute façon. Et il ne faut pas jalouser, parce qu'il y en a, voilà, on mettait des décorations, mais voilà, même de table et tout, mais waouh, waouh, waouh. Et nous, au contraire, on adore. Ça va de la toute petite décoration, du petit.
pain classique avec trois petites boules de pain là. On leur met je connais, on leur écrit un petit mot et tout. Voilà, c'est. On laisse personne comme ça, sans au moins cliquer sur j'aime ou j'adore. Ou moi j'adore mettre des smileys, donc là je mets beaucoup de smileys. Donc on me reconnaît d'ailleurs avec les smileys. Et voilà. Et là en ce moment, bon mais c'est pas clairement. Il y en a, ils ont décoré par exemple un arbre ou deux à l'extérieur. Ah c'est génial. On adore le moindre truc, même fait maison. Hein. Il y en a qui font tout fait maison. C'est même pas acheté. Ils ont fabriqué avec les enfants. Les enfants ont participé à la décoration là, pour Pâques. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et là, il n'y a pas besoin d'être ni pauvre ni riche. On a tous le même état d'esprit. On adore. On est comme des enfants. Pour une fois que vraiment je suis super contente d'être dans un groupe où il n'y a pas de critique, où il n'y a pas de jugement, et que l'on peut être pauvre ou riche, on adore montrer ce qu'on met, ce qu'on fait. Voilà. Non, moi j'adore. Ah, je ne cesserai jamais de le dire, mais voilà, c'est vraiment un groupe fabuleux. De toute façon, vous avez plein de groupes hein, de décoration de Noël, tout ça. Il y a aussi Halloween et Noël. Mais bon, Halloween, moi, j'aime pas. Donc, je ne mets pas de smiley, je ne mets rien. Je ne mets rien du tout, parce que bon, Halloween, les monstres, tout ça, c'est pas trop mon truc. Oui, je ne sais pas, les gens, les aiment les monstres. Bon. Mais moi, non, moi, j'adore tout ce qui est féerique, princesse, tout ce qui est mini. Donc, mais je marque pas que j'aime pas ou quoi que ce soit. Non, je dis rien. Les gens aiment Halloween. Mais j'aime bien les groupes comme ça parce qu'on ne se critique pas, on ne dit pas de méchanceté. Et tout le monde montre des photos. Alors, on t'a mis au plus. Bon, mais moi je vais arrêter là. Et puis je vais y aller tranquillement. Je vais ramener l'assiette. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, j'arrive et je coupe. Hein. Bon, avant de couper, je vous montre le lustre. Et je vous dis à plus tard.